Bonsoir, merci de suivre ce live de Studirama TV consacré ce soir au BBA, donc le Bachelor in Business Administration de Neoma Business School. Alors pour parler de ce BBA, nous recevons ce soir Anne Prévost-Bucaneri, qui est directrice de l'ensemble des programmes du groupe Neoma Business School et plus spécifiquement de ce programme BBA. Alors ce programme en fait existait avant la fusion. C'est finalement l'union de deux programmes connus, l'un de Reims Management School qui était SUBTG et l'autre qui était de Rouen. Alors maintenant, ce nouveau programme BBA de Neoma, ça change quoi au fond? Alors, en fait, on va dire qu'on a capitalisé sur l'expérience des deux écoles, hein, le SUBTG de Reims et le Bachelor Commerce de Rouen, capitalisé sur l'expérience vécue à travers tous ces étudiants au fur et à mesure des années qu'on a diplômés. Et on a, à partir de là, conçu un programme unique, donc qui sera enseigné, hein, simultanément sur les deux campus. Il y aura des variantes en dernière année sur des choix de spécialisation et qui permettra au fait aux étudiants de bénéficier de l'alliance de ces deux écoles en ayant hein, les innovations pédagogiques, les ressources académiques, les partenariats étrangers, les partenariats entreprises hein, qui ont donc réuni les deux écoles. Alors, il y a une grande mode des bachelors depuis Ouais, quelques années, c'est cette vrai. porte d'entrée finalement dans les grandes écoles Ouais. sur une durée de 3 ans. Mais votre bachelor donc s'appuie sur une longue expérience. Voilà. Donc notre bachelor s'appuie sur une longue expérience puisque à Rouen, donc ce bachelor commerce était né en 77 et celui de Reims en 80. Alors pour rebondir, c'est vrai qu'il y a une mode sur les bachelors, donc le bachelor en 3 ans qui devient une sorte de tremplin vers un master, hein, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui font un master derrière. Or nous, notre objectif n'est pas exclusivement d'emmener les étudiants vers un master, mais de pouvoir proposer une vraie offre d'insertion sur le marché du travail pour ceux qui veulent, au bout des 3 ans, hein, se lancer dans la vie professionnelle. Alors, il y a beaucoup de bachelors, il y a des bachelors Ouais. qui se spécialisent dans des Ouais. domaines, et puis des bachelors qui restent des bachelors Ouais. généraux en management. C'est le cas de votre C'est le bachelor? cas du nôtre. Alors, c'est le cas du nôtre, mais comme on a quand même des racines normandes, hein, on est un peu oui et non. Donc, c'est un bachelor certes généraliste, hein, absolument généraliste, mais pour lequel il y a une possibilité, donc pas une obligation, une possibilité de choix sur une spécialisation de dernière année. Et la spécialisation de dernière année, elle peut être soit banque audit qui correspond à Reims et au secteur à la proximité du Luxembourg, ou qui peut être supply chain management à Rouen, puisque ça correspond à un pôle de compétitivité en Normandie. Donc il y a cette possibilité de vraiment se spécialiser à la fin, ou de rester généraliste, hein, si c'est le choix de l'étudiant. Donc, spécialisation possible en dernière année. Alors, Oui. comment se passent les 2 premières années? Les 2 premières années, donc, sont des années totalement généralistes, mais sur lesquelles il y a une particularité. Alors moi, qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est cette expérience de gestion du bachelor depuis un certain nombre d'années, qui m'a conduit à fortement insister sur la nécessité de développer, à côté des cours de gestion classique, des cours en fait que j'appelle moi de culture business. Culture business sont des cours de géopolitique, sont des cours de géographie contemporaine, sont des cours liés à la mondialisation, etc., pour que l'étudiant, au-delà des matières techniques purement gestion, il puisse avoir l'habitude de s'intéresser au monde qui l'entoure. On dit en fait d'ouvrir des capteurs, hein, de l'aider à construire des capteurs pour qu'il soit bien à l'écoute de son environnement et soit ainsi, hein, relativement adaptable. Donc ça, c'est la grosse caractéristique des 2 premières années. On a plusieurs questions sur la part de l'international dans Oui. votre bachelor. Alors, la part de l'international dans le bachelor, donc, va prendre 3 formes. La première forme, déjà, ce sont les stages. Donc, il y a un stage chaque année avec une durée, bien sûr, progressive au fur et à mesure des 3 ans, qui peuvent se faire à l'international. La deuxième ouverture internationale, ce sont les cours, l'enseignement qui peut, par sa thématique ou par le fait qu'il ait lieu en anglais, constitue une ouverture internationale. Et puis, une possibilité, donc, de faire 6 mois à l'étranger, soit sur un cursus Erasmus, soit sur 6 mois, en fait, d'expérience en entreprise à l'étranger. Alors, ce sont des possibilités où il y a un caractère obligatoire, Alors, au moins de partir à l'étranger pendant une période de ces 3 ans. voilà, donc il y a en fait une obligation de partir à l'étranger. Mais dans ce programme, la deuxième particularité, c'est que si les 2 premières années sont très moulées, la troisième année est suivant le choix de l'étudiant par rapport à son parcours futur. Et donc on va dire qu'il faut qu'il y ait l'ingrédient international qui est obligatoire dans sa formation, mais c'est l'étudiant suivant son projet qui va régler le dosage. Est-ce qu'il veut fortement de l'international
au niveau académique, donc partir en échange. Est-ce qu'il en veut, mais simplement sous son aspect professionnel? Ou est-ce que, voilà, l'international, il faut qu'il en ait, mais en dosage plus léger pour sa compétence personnelle, mais ce n'est pas son objectif, en fait, pour le futur? Alors, Nadège nous dit qu'elle est intéressée par un bachelor en management, qu'il y a plusieurs bachelors en management au sein du groupe Neoma Business School. Et elle demande, est-ce qu'il faut se décider finalement dès le départ? Est-ce qu'il y a des passerelles entre les différents bachelors du groupe Neoma? Alors, il faut se décider dès le départ. Donc ça, la réponse, elle est claire. Il n'y a pas de passerelle entre les bachelors du groupe Neoma, tout simplement parce que chaque bachelor a un objectif défini. Si je prends l'objectif du BSc, hein, le bachelor international qui est sur le campus Rouen, l'objectif est l'international. Je veux travailler à l'international et je veux être un manager polyvalent à l'international. Si je prends l'exemple du CESEM, l'objectif est l'international, mais on va miser sur une compétence pays. Je suis spécialiste de l'Amérique du Nord, par exemple. Si je prends le bachelor in retail management, c'est-à-dire les CAL, je sais que je veux travailler dans le domaine de la distribution. Vous voyez, à chaque fois, il y a une coloration très précise qui fait qu'il est totalement impossible de passer d'un retail management à un BBA, par exemple. Alors, Nicolas nous demande, et Nicolas, ce n'est pas moi, non. Nicolas nous demande s'il y a une grande différence entre les contenus des cours du bachelor et les contenus du programme Grande École qui est accessible après prépa ou... C'est pas la même marche, hein, d'accord. On n'est pas du tout au même niveau, on peut comparer un escalier. On va dire que sur le BBA, vous montez la première marche, alors au moins les trois premières, parce que c'est en trois ans de l'escalier. Et ensuite, sur un master grande école, donc après un BBA, on intègre en deuxième année d'un master grande école, hein, donc on fait les deux années master. Là, on va avoir des thématiques, certes, de gestion, à savoir marketing, droit, etc., finance, mais ça va être vu sous un angle plus stratégique. La dimension stratégique sur un BBA, on va dire, est effleurée. On explique ce que c'est, mais on ne va pas dans la stratégie. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus pratique, quelque part? Oui, c'est plus pratique. Un BBA va être plus pratique tant dans son contenu que dans les stages et dans les applications qui vont être demandées aux étudiants, ou je dirais peut-être plus concret. Hein, je trouve que concret, c'est peut-être le mot qui est un petit peu plus adapté par rapport au contenu du programme. Alors de ce fait, on a une question où on nous demande, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui participent à l'enseignement? Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui participent à ce type de programme que potentiellement peut-être sur un programme master? Non. Alors, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui participent à ce programme, c'est vrai. La participation des entreprises est bien sûr graduelle au fur et à mesure des années. Donc sur la première année, on a beaucoup de troncs communs et de fondamentaux, un temps de culture que de gestion, c'est un peu moins évident. Quand on arrive bien sûr sur les phases de spécialisation ou des séminaires de management en deuxième année, la présence des entreprises est tout à fait, on va dire, pertinente. Mais il n'y a pas plus d'intervention entreprise sur un BBA que sur un master grande école. C'est juste que la thématique de l'intervention d'entreprise ne va pas du tout être la même. Mirabelle nous dit, j'ai un projet de création d'entreprise. Est-ce que je peux le concrétiser en intégrant votre école? Ce à quoi je rajouterai moi une question. Est-ce qu'il y a des possibilités d'année de césure? Oui. Alors, en fait, la création d'entreprise, ça, sur du BBA, c'est quelque chose qui est relativement développé. Parce que, voilà, on constate, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'entrepreneuriat avant de m'occuper du BBA, que plus on évolue dans ses études, moins on prend le risque de la création d'entreprise. Et donc, on a beaucoup de créateurs d'entreprise au niveau BBA. Alors, la réponse, c'est qu'on les suit, on les coach, on a un incubateur et qu'ils peuvent non seulement faire une année de césure, mais les 6 mois qui sont consacrés, soit un Erasmus, soit un stage, hein, suivant les choix des étudiants, peuvent être consacrés à la création d'entreprise avec l'équipe de l'incubateur, hein, qui va aider les étudiants. Donc on a, voilà, bon, toute proportion gardée, mais un certain nombre de créateurs d'entreprise donc, sur les programmes Bac plus 3. Alors, plusieurs questions sur les partenariats internationaux que vous avez. On nous demande si vous avez des partenariats en Amérique latine, si vous avez des partenariats au Japon, voire en Russie, pour une franco-russe qui aimerait... Voilà. Alors, non. Et je vais vous dire pourquoi non. Et c'est, en plus, ce n'est pas le souhait. C'est-à-dire que chacun a sa place. Le BBA, en fait, par rapport au niveau d'études, à la formation, à la construction des étudiants et même à ceux qui s'intègrent sur le marché du travail, l'international est un ingrédient de la formation, mais n'est pas l'objectif, comme ça va être le cas d'un BSc ou d'un CESEM, même si destination BSc sont un peu plus exotiques, on va dire, que celles du CESEM. Mais l'objectif ici, c'est d'avoir un ingrédient dans ses compétences. De même qu'on doit maîtriser le marketing, on doit maîtriser l'international. Les échanges, c'est zone Europe,
Afrique francophone, d'accord? Puisque ça correspond à la nécessité en fait de compétences. Et donc on n'aura jamais de partenariat au Japon, ni en Amérique latine, ni en Russie. Donc je suis désolée, dans ce cas-là, il faut faire un BSI. On a deux questions qui sont très différentes, mais qui pourtant se rejoignent. La première, c'est quelles sont les accréditations que vous avez? Donc, on va penser aux accréditations officielles. Et puis, une deuxième de Nicolas, toujours, qui nous demande si vous, quelle est la reconnaissance que vous avez des entreprises. Ce qui, au fond, pose la même question, mais de deux versants différents. Voilà, ouais, deux versants différents. Parce que les accréditations que l'on a, donc que je vais bien sûr me faire un plaisir de citer, sont ce qu'on appelle des accréditations académiques. C'est-à-dire, hein, c'est la reconnaissance de la qualité de l'enseignement, du contenu et des personnes qui enseignent. Donc on a bien sûr le visa du ministère hein, donc, de l'enseignement supérieur, donc ça c'est extrêmement important, c'est la première qu'il faut citer parce que ce visa va permettre justement aux étudiants qui le souhaitent de faire une poursuite d'études vers un master. Et puis on a bien sûr les accréditations internationales, à savoir ACSB, hein, l'accréditation anglo-saxonne, et QIS, l'accréditation européenne, et AMBA qui est l'accréditation donc pour les masters. Donc ça c'est les accréditations, ce sont les accréditations que je qualifierais d'académiques. À côté de ça, donc, il y a la reconnaissance des entreprises qui ne passent pas par des process d'accréditation. Mais les reconnaissances d'entreprises, en fait, on les a à travers bah, les étudiants qui sont accueillis en stage et puis les recrutements de nos diplômés après. Et c'est vrai que, bon, de par l'ancienneté des deux écoles, hein, on a des relations entreprises fortes et nombreuses, on va dire. Alors, puisque vous parlez de recrutement, on a une question qui est assez centrale hein, d'Alain qui nous dit « Pensez-vous qu'un bachelor suffise pour trouver un emploi intéressant et ne faut-il pas faire un master ?» Ce qui est la question toujours cruciale hein, pour un bac plus 3. Alors, enfin, cette question, elle est extrêmement intéressante parce que beaucoup d'étudiants veulent poursuivre vers un master, hein, surtout quand ils sont en première année. Donc, on le sait, il y a une masterisation massive de la population, voilà, à tort ou à raison. Moi, ce que je veux dire, alors, en l'état actuel du marché, hein, je ne sais pas quel il sera l'année prochaine et encore moins dans deux ans, c'est qu'après un bac plus 3, il y a des entreprises qui recherchent, c'est-à-dire qu'il y a de véritables recrutements après un bac plus 3, et après, de belles progressions de carrière. Parce que c'est ça la question, c'est est-ce qu'on peut faire des carrières intéressantes et évolutives? Mais en fait, là, on touche du doigt la problématique de chacun de nous. Vous avez un diplôme, vous avez tout ce qu'il faut dans votre valise pour que ça marche, après, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est vous, d'accord? C'est pas votre diplôme qui va vous transformer en brillant journaliste. En fait, c'est parce que, au fond de vous, vous avez cette volonté, d'accord? Vous avez tous les ingrédients pour que ça marche dans votre personnalité. Il y a peut-être aussi le souci de ne pas pouvoir intégrer un grand groupe, alors du CAC 40, une grande entreprise internationale, si on vient avec un bac plus 3. Donc ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que, voilà, les grandes entreprises du CAC 40, bon, voilà, visent des masters, et comme vous le savez, hein, pas n'importe quel master. Donc là, on va taper dans le top niveau du master des écoles. Maintenant, vous avez des grosses PME qui recherchent donc des bac plus 3. Vous avez tous les réseaux banques et assurances qui recherchent des bac plus 3. Vous avez des entreprises dont bon, je peux citer parce qu'elle est située à côté de l'école et on a un gros partenariat avec elle, c'est Ferrero. Bon, Ferrero, c'est pas non plus une petite entreprise, hein, c'est une vraie grosse entreprise qui recrute bien volontiers du bac plus 3. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des belles carrières. Maintenant, voilà, si on veut travailler chez L'Oréal, c'est plus compliqué. Alors, puisqu'on est justement sur cette notion de carrière, est-ce que les diplômés du bachelor, qui donc souhaiterait éventuellement travailler juste après, bénéficie finalement de toute la puissance du réseau des anciens, que ce soit les anciens des masters grandes écoles, de Reims, de Rouen, des masters spécialisés. C'est une seule et même famille? Voilà, c'est une seule et même famille. Alors, en fait, déjà avant la fusion avec l'école rémoise, à Rouen, on avait constitué une association de diplômés hein, qui incluait l'ensemble des diplômés, ce qui était également pratiqué hein, de la même façon sur Reims. Et donc la réunion en fait des deux écoles a conduit à la réunion des associations de diplômés. Et ça, c'est vrai qu'on a des associations de diplômés et des présidents d'associations de diplômés qui ont vraiment été porteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bachelors d'un côté, les masters spécialisés de l'autre, et bien sûr le vaisseau amiral, le master grande école devant. Donc en fait, il y a vraiment une cohésion importante au niveau du réseau, ce qui bien sûr est extrêmement favorable hein, à l'ensemble des diplômés. On a une question de Hags sur l'anglais dans Cursus. Est-ce que la place de l'anglais est importante et est-ce qu'il y a possibilité de choisir une autre langue que l'anglais en LV1? Alors, la place de l'anglais est importante. Il y a un gros volume horaire d'anglais sur les 3 années, plus des cours qui sont enseignés en anglais. Donc, par exemple, un séminaire interculturel qui est enseigné en anglais. Donc, la place de l'anglais est importante. Non, on ne peut pas choisir une autre LV1 que l'anglais, mais on peut choisir 3 langues. Donc, il est possible de faire LV1 anglais, LV2, ce que vous voulez. LV3, même chose, hein, on a un panel de LV3, LV2 rare relativement important. Donc là, il y a un choix important de langue, il y a une importance qui est donnée aux langues, hein, puisque la valeur des langues
dans le diplôme est tout aussi importante que les cours de finance ou les cours de marketing, mais pas de LV1 autre que l'anglais. Alors, il faut un bon niveau d'anglais pour passer les concours ? Il faut un bon niveau d'anglais. Alors voilà, pour ceux qui sont branchés CECR, à 2B1. Donc voilà, pas fluent, mais voilà, un niveau... Est-ce qu'un niveau de terminal oui, correct voilà, un niveau de terminal correct suffit. Voilà. Alors, on a parlé du programme, on a parlé de ce qu'on peut faire avant, mais pour tout cela, il faut intégrer l'école. Ouais. Donc, mode de recrutement basique, le principal, le bac. Voilà. Donc, il faut obligatoirement le baccalauréat pour passer le concours. Donc, c'est un concours qui est géré par une banque d'épreuves qui est Écricom. Alors, il y a quatre épreuves, pardon, donc deux à l'écrit, deux à l'oral. Donc, une première épreuve qui est un énorme test de logique, donc avec plein de questions, des questions de logique classique, des questions de déduction, des questions un petit peu plus de réflexion. Ensuite, donc, Ce test se prépare, cette épreuve, elle se prépare. Oui, il y a les annales, en fait, qui se trouvent sur le site d'Écricom. Donc, où les élèves peuvent consulter les annales et les corriger. Parce que c'est vrai que des tests comme ça, c'est un petit peu comme le footing. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, plus on en fait, plus on est prêt. Donc, il faut s'entraîner. C'est mieux. C'est-à-dire que d'arriver comme ça, un peu les mains dans les poches, bon, on prend un risque plus important. Donc, c'est beaucoup mieux de s'entraîner. Ensuite, il y a un texte, en fait, qu'il faut synthétiser sur lequel il y a un certain nombre de questions pour lesquelles il faut répondre. Ensuite, il y a un oral d'anglais, donc on tire un texte au sort, on le prépare, hein, c'est un petit peu comme les oraux classiques, et puis il y a l'entretien de motivation. D'accord, donc en fait, il faut avoir été déclaré admissible avant. Non. Non. Alors, la particularité du concours Écricom, c'est qu'il n'y a pas la barrière de l'admissibilité, on passe systématiquement l'ensemble des épreuves, et il y a le résultat après, mais il n'y a pas un double sas, hein, comme on peut avoir sur Sésame, par exemple. Alors, quelle est la préparation que vous recommandez finalement pour réussir ce concours ? Alors, allez voir les annales sur le site. Et voilà, faire les deux ou trois annales qui se trouvent sur le site pour s'entraîner. L'anglais, aimer l'anglais, avoir envie de parler anglais, parce qu'à l'oral, même si vous avez des difficultés, mais si vous avez envie de faire passer le message, ça va se sentir tout de suite et donc ça va se passer mieux. Et l'entretien de motivation, alors au contraire, pour l'entretien de motivation, ne vous préparez pas trop. Soyez spontané. Soyez spontané. Alors c'est vrai que c'est toujours très antinomique de dire à un élève de terminale complètement stressé, qui attend de passer devant un jury, soit naturel, ça va très bien se passer, parce qu'il a surtout pas envie d'être naturel parce qu'il n'y arrive pas. Pourtant, c'est ça, c'est-à-dire que si on n'a pas de projet, dire « je n'ai pas de projet et j'attends de l'école qu'elle m'aide à construire un projet », parce que ça, c'est notre travail, d'accord ? C'est le travail de l'école d'aider un étudiant à construire un projet. Donc, pas arriver en montant des trucs extraordinaires parce que quand on ment, ça se voit tout de suite. Alors, petite précision, puisqu'il semble que plusieurs internautes se posent la question, ce bachelor est accessible sur les deux campus de la même manière. Exactement. Et on choisit le campus qu'on veut, il y a un ordre de priorité, comment ça se passe? Donc, ce bachelor est accessible sur le concours, sur les deux campus, c'est le même, qui est enseigné avec les mêmes matières, bon, je dirais quasiment en même temps, sur les mêmes matières, sur les mêmes semestres. Et donc, c'est au choix de l'étudiant. Donc, c'est l'étudiant qui choisira d'aller soit sur campus Rouen, soit sur campus Reims. Et si on démarre à Rouen, on peut finir à Reims, et vice-versa. On a plusieurs questions sur la problématique du logement et les conditions de campus. Mmh. Il y a une grosse différence entre Rouen et Reims, aussi bien en termes de logement, voire même de vie étudiante. Rouen et Reims, ce sont des villes extrêmement similaires à un temps dans l'organisation géographique, la cathédrale, l'histoire, etc. Donc c'est assez drôle d'ailleurs de voir à quel point elles peuvent être jumelles. La difficulté ou pas d'ailleurs de trouver un logement est quasi similaire. Un studio aussi, un studio en ville, hein, parce que je sais que les étudiants aiment bien avoir des studios en ville, c'est mieux. Donc c'est entre 400 et 500 euros par mois. Donc là-dessus, il y a bien sûr une aide au logement, hein, donc qui peut être versée par l'État. Ensuite, la vie étudiante à Rouen et à Reims, bon, au niveau dynamique, sortie, cinéma, théâtre, etc., est également relativement similaire. Question sur la voie d'admission. On a précisé qu'il y avait Écricom Bachelor. Il faut préciser qu'Écricom Bachelor regroupe d'autres écoles que les écoles du groupe Neoma. CAGE et Nancy, ICN. Et puis, y a-t-il d'autres voies d'admission? On nous demande si on peut admettre à partir d'un bac plus 1. Alors non. On ne peut pas admettre à partir d'un bac plus 1, c'est-à-dire quand on a bac plus 1, malheureusement, il faut reprendre en première année, mais il est possible d'admettre à partir de bac plus 2, c'est-à-dire les étudiants titulaires d'un DUT ou BTS en sciences de gestion peuvent intégrer en troisième année.
Et précision importante, c'est un concours, donc il n'y a pas d'examen des notes de terminale, on ne remonte pas Non, naturellement jusqu'à la du tout. première pour Du tout. voir Non. le dossier scolaire. Non, ça peut aider certains. Non, on ne regarde pas le dossier scolaire. Donc, en fait, ce sont les résultats du concours. Alors, Paul nous demande combien d'étudiants poursuivent ensuite en master Beaucoup. ou poursuivent leurs études tout court Alors, beaucoup d'étudiants poursuivent en master. Hein, la proportion est de 80% des promos poursuivent en master. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution sur le type de poursuite master. C'est-à-dire, pendant longtemps, hein, c'était master grande école, donc concours tremplin 2 ou passerelle 2 hein, pour aller vers un master en école. Aujourd'hui, les étudiants ont affiné et évolué dans leur choix. Souvent, les étudiants vont faire un MSI, c'est-à-dire un pré-master, un M1. Pour aller après vers un MSI, donc qui est un Master 2 très orienté international, souvent tout en anglais, très spécialisé, qui leur permet de s'ouvrir vers une carrière internationale. Et ça, c'est un choix de plus en plus fréquent. Question de Nicole qui nous demande si le test de logique d'entrée et le test TAJ-MAJ. Non, 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 ce n'est pas le TAJ-MAJ. Donc le TAJ-MAJ, hein, c'est pour tremplin 2, donc, et peut-être passerelle 2, assurément pour tremplin 2, donc qui est d'un niveau quand même beaucoup plus élevé hein, que le test de logique. Alors si cette personne souhaite avoir un peu des tests similaires, c'est le SAT en fait, hein, qui est passé aux États-Unis. Donc si on tape sur Google SAT, on va avoir l'ensemble des tests qui vont sortir, hein, des bases de données. Et donc ce sont des tests qui sont très similaires au SAT. Hein. Pierrot, qui a dû regarder votre site ou bien se renseigner, nous demande c'est quoi un study tour? Et il rajoute on part en vacances pendant 3 semaines à l'étranger? Ouais, je vois que Pierrot a de l'humour. Donc, alors, c'est quoi un study tour? On va répondre à Pierrot qu'il faut traduire. C'est-à-dire que study tour, ça veut dire voyage d'études. Et donc, l'étude peut être très agréable, mais ne correspond pas forcément uniquement à du loisir. Donc, le study tour qui est proposé pour ceux du programme qui veulent, enfin, pour qui c'est obligatoire d'ailleurs, une fenêtre sur l'international, mais pas forcément très accentuée par rapport à ce qu'ils vont découvrir ou veulent faire après. Je pense notamment aux apprentis, ceux qui veulent suivre le cursus en apprentissage sur la troisième année. En fait, comme ils sont beaucoup en entreprise, ils n'ont pas forcément la possibilité de faire un Erasmus de 6 mois. Donc, ils vont faire un study tour de 3 semaines en Chine, 3 semaines, 3 villes, hein, donc Pékin, Shanghai, Nankai, avec des visites d'entreprise et des conférences hein, concernant l'actualité politique et économique de la Chine. Et on va rassurer ce futur étudiant aussi des visites culturelles. Cathy nous demande pourquoi faire le choix d'une formation généraliste plutôt qu'une formation spécialisée. Si on veut travailler après 3 ans, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à avoir une vraie spécialisation plutôt qu'une formation généraliste? Ah, c'est pas du tout le même contenu. C'est-à-dire que la formation spécialisée, et je pense par là notamment au BTS, la formation spécialisée va être une formation très opérationnelle qui va vous permettre de rentrer directement dans un métier. La formation généraliste, en fait, elle vous permet d'avoir un socle de connaissances et après de devenir évolutif, soit par rapport à une poursuite d'études, soit par rapport à une évolution en entreprise. Et le contenu de la formation n'est pas du tout le même. En fait, on va chez nous quand même, même si c'est relativement concret, avoir beaucoup de matières réflexives, beaucoup de matières qui vont donner lieu à des productions écrites, de façon à ce que les étudiants prennent l'habitude d'analyser et aussi de produire à l'écrit sur le papier le fruit de leur réflexion. Joyce, c'est vrai que vous lui donnez des exemples concrets de métiers, voilà, pour qu'ils soient un peu plus concrets, ce à quoi vous préparez. Alors, on va avoir, en ce qui concerne le domaine de la supply chain, on va avoir tout ce qui concerne les métiers de planificateur, gestion des stocks, gestion des flux entrants, sortants. Je ne sais pas si c'est très parlant, hein, c'est pas quand même assez technique. Dans le domaine de la banque, on va avoir tout ce qui est gestion de clientèle particulier, gestion de clientèle professionnelle, et puis tout ce qui est après quand même un minimum de 4 à 5 ans, gestion et responsabilité d'une agence. On va avoir tous les métiers liés au commercial. Donc commercial, gestion d'une équipe, gestion d'un secteur, gestion d'un réseau, gestion d'un produit. Des métiers Donc qui recrutent. oui, et puis bon là j'ai cité hein, des métiers qui recrutent puisque ce sont les 3 secteurs d'activité sur lesquels on a le plus de demandes de recrutement. Edouard nous demande si vous avez les contacts de vos anciens, qu'on peut traduire autrement, c'est est-ce que vous avez une association d'anciens puissante, Oui. efficace? Alors, on n'a pas d'association d'anciens spécifique au programme BBA. Hein. Nos anciens, donc les diplômés du BBS, s'intègrent hein, dans l'association des diplômés Neoma, qui regroupe donc hein, les masters spécialisés, les BBA, les BSc, etc. Donc oui, elle est puissante puisqu'on est très vieux, donc on en a plein. Alors, quand on fait son BBA à
à Rouen, ou quand on fait son BBA à Reims, notamment pour la première promotion qui démarre, on fait partie d'une seule et même promotion, ou on est encore finalement dans deux écoles, ou on est juste sur deux campus éloignés physiquement? Ça, c'est un peu le défi, c'est le souhait. On a monté le programme pour qu'à la fin, ce soit une seule promotion. Donc, en fait, c'est le même programme qui est enseigné en même temps, on passe les mêmes examens, et puis on a des opérations pédagogiques qu'on va, je dirais, monter en visio, hein, des jeux de simulation, donc par exemple, qu'on va faire en même temps sur deux campus via Internet en visio pour que les étudiants puissent se voir. Sur les départs en échange, ils seront mélangés, hein, pour avoir des Rémois qui partent avec des Rouennais. Et puis sur les studies tours, ils seront mélangés aussi. Donc sur la première année, il n'y a pas de mélange, si je puis dire. Mais à partir de la deuxième année, sur un certain nombre d'opérations pédagogiques, donc on a bien imaginé et pensé mettre en place, hein, des opérations mutualisées qui n'implique pas forcément des gros déplacements d'étudiants sur un campus et sur un autre, puisque là, bon, logistiquement parlant, ce sera un peu compliqué. Une des caractéristiques des programmes master grande école, c'est leur interculturalité, le fait qu'il y a un grand mélange international. Ouais. Est-ce qu'on peut retrouver ça au sein de votre bachelor? Donc, sur Campus Reims, pour l'instant, c'est géré un peu différemment. Sur Campus Rouen, donc, c'est géré de la façon suivante. En fait, les étudiants en échange sont intégrés dans les programmes. Les étudiants donc, qui viennent en échange, hein, d'autres pays, donc qui viennent sur notre campus, choisissent des cours et pour suivre leurs enseignements, et ils peuvent choisir des cours au sein du BBA. Ce qui fait qu'à l'intérieur des cours, les étudiants, on rencontre des étudiants qui viennent de pays complètement différents. Alors, on nous demande une petite précision sur votre programme. La période des stages, au total, sur 3 ans, la partie qui va être passée en entreprise peut représenter jusqu'à combien de mois ? Un an. Un an, donc 2 mois minimum première année, 3 mois minimum, on peut aller jusqu'à 2e année, et 6 mois pouvant s'étirer jusqu'à 8 en 3e année. Parce que c'est aussi une possibilité de financer potentiellement sa scolarité, puisque vous ne faites pas d'alternance. Oui, on fait de l'alternance sur la 3e année. Donc la 3e année peut être faite par alternance. Donc dans ce cas-là, sur la 3e année, l'étudiant sur le 1er semestre passe 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise, plus toutes les vacances scolaires en entreprise. Et puis sur le semestre 6, à savoir le dernier semestre, il va partir pour une période longue en entreprise. Et ça se développe beaucoup, l'alternance en 3e année? Vous avez beaucoup de demandes? Oui. Alors ça, c'est pareil, on a capitalisé sur l'expérience, parce que nous, à Rouen, en fait, sur le campus de Rouen, nous développions l'apprentissage sur le programme bachelor sur les années 2 et 3. Donc l'étudiant pouvait choisir de faire 2 et 3 ou de ne faire jusque la 3e année. Et on s'est aperçu que les étudiants faisaient davantage d'apprentissage sur la 3e année, qu'à partir de la 2e année, c'était très réduit. Et quand ils faisaient l'apprentissage sur la 3e année, c'était très intéressant pour l'entreprise, parce qu'elle avait face à elle un étudiant plus mature. Et c'était du coup beaucoup plus intéressant pour l'étudiant, puisqu'il avait bien évidemment des missions beaucoup plus intéressantes. Donc c'est pour ça que sur ce nouveau programme, on a choisi de faire l'apprentissage uniquement sur la 3e année, mais de proposer l'apprentissage bien sûr aux étudiants rémois comme aux étudiants rouennais. Alors une des difficultés de l'apprentissage, qui a beaucoup d'avantages, c'est de trouver les entreprises d'accueil. Oui. Alors on a un service apprentissage donc qui est commun à Rouen et à Reims, et c'est d'ailleurs l'ancien directeur du BBA de Reims qui reprend l'apprentissage. Donc l'avantage, c'est qu'il connaît très bien les bachelors, le profil, le marché. Donc on a cet énorme atout de l'avoir pu travailler avec lui. Et donc on a un service apprentissage qui aide à trouver les entreprises. Et on a bien aussi offert des spécialités sur chaque campus qui correspondent aux caractéristiques du secteur d'activité de chaque, on va dire, campus. C'est-à-dire qu'en fait, banque assurance à Reims, parce qu'à Reims, il y a un secteur d'activité développé sur ce champ, supply chain à Rouen, parce qu'il y a un secteur d'activité sur ce champ. Donc, on a bien fait attention que les entreprises puissent recruter, si elles le souhaitent, nos apprentis facilement, j'espère. Anne Prévost, ce live touche à sa fin. Ouais. Moi, j'aurais une petite question. Que signifie finalement Neoma? Alors, Neoma, en fait, néo parce que nouveau, hein, néo, nouveau, bon, en espagnol, en toutes les langues latines, et ma parce que management, donc nouveau management, une nouvelle façon donc de percevoir et d'enseigner le management, et c'est ce que l'on espère avoir réussi dans ce nouveau programme. Alors, merci pour cette petite précision, et puis merci d'avoir répondu aux questions de la rédaction et des internautes, et rendez-vous pour les prochains lives de Studierama TV.